Le festival Cri de femmes met en relation les notions de femme et de territoire cette année. Comme le veut le principe, depuis l'adhésion de la Guadeloupe à cet événement pensé par la poétesse dominicaine Jaël Uribe, des artistes de disciplines diverses apportent leur contribution. Les performances, l'exposition installée au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre et les autres rendez-vous cherchent à encourager les échanges et à mettre la thématique en perspective en fonction des spécificités culturelles des participants. Quand on est en Guadeloupe, on n'est pas à Paris, et quand on est à Paris, on n'est pas à La Réunion, et on n'est pas aux États-Unis. Et là, c'était l'occasion aussi de faire parler les femmes guadeloupéennes avec des femmes de Cuba, avec des femmes des États-Unis et d'Algérie. Voilà, en tant qu'afro-descendante, etc. Finalement, qu'est-ce qu'on vit et est-ce qu'on arrive à trouver des échos dans les violences qu'on vit ou même dans ce qu'on peut aussi accomplir? Parce que finalement, on parle aussi de ce que les femmes font, puisqu'on dans cette expo, on montre ce que les femmes font aussi. La réalisatrice Frédérique Menon présente deux de ses films tournés en 16 mm. Des documentaires poétiques dont l'un présente une Guadeloupéenne rencontrée sur ce festival. La cinéaste travaille depuis maintenant 10 ans sur des sujets sensibles. Je travaillais plutôt sur des questions sur le racisme, j'ai travaillé sur les migrants, sur les oppressions sociales, sur l'exploitation, sur l'homophobie. Et après sur des choses intimes qui me concernent mais que je n'abordais pas forcément en tant que problématique de genre. Or, à force de travailler, de rencontrer d'autres artistes, je comprends en fait à quel point des choses me préexistent qui me sont imposées parce que je suis une femme et qu'il faut s'en émanciper et que c'est un long chemin qui n'est jamais fini, je crois. Films qui peuvent être encore vus ce jeudi, à quelques jours de la fin du festival, programmé le 31 mars. Manifestation qui prévoit aussi un concours pour les scolaires dont les créations sont aussi exposées.